Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, pour une mission un peu particulière, mais avant toute chose, amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, ça prouve que mon travail vous sert et que ce que je fais aide des gens. Et moi ça me fait extrêmement plaisir de voir en tout cas que la chaîne YouTube évolue. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui s'abonneront, vraiment du fond du cœur, merci à vous. Et du coup les amis, par la même occasion, il y a deux Discord communautaires multigaming. Donc on essaie de créer une petite communauté autour du multigaming, ceux que ça intéresse de rejoindre une petite communauté et d'essayer de s'investir, pourquoi pas, dans un petit truc en création, bah vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre, le Discord est dans la description. Et le deuxième Discord, c'est le Discord de la corporation légitime sur Star Citizen. Donc c'est une corporation qui a pour ambition d'aller très loin dans le verse. Donc on n'est pas une corporation militaire, on est chill, mais on demande aux gens d'être sérieux. Donc ça veut dire, si vous commencez un truc, c'est pas dans une semaine, on vous retrouve pas, quoi. Donc voilà, on demande aux gens avant tout d'être sérieux, malgré que c'est très compliqué de trouver ce dont on a besoin. Mais en tout cas, voilà, on recrute pas mal de personnes pour arriver loin dans le verse. En tout cas, essayer de hisser notre bannière le plus haut possible. Je ne dis pas qu'on pourra pas, que ça s'arrêtera pas un jour, mais en tout cas, on va essayer de la mettre le plus haut possible et se créer notre propre histoire. Si vous voulez faire partie de l'histoire, le Discord est dans la description. Que vous soyez nouveau, ancien, en solo ou en groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, tout le monde sont les bienvenus tant que vous êtes respectueux et sérieux. Par la même occasion, les amis, il y a mon code de parrainage pour tous les nouveaux. À la fin de la description, pour tous les nouveaux comptes qui se tiraient sur RSI, vous pouvez mettre mon code de parrainage. Ça vous fera gagner 5000 AUC à chaque mise à jour. Donc les amis, on se retrouve pour la Pirate Week, une vidéo pour la Pirate Week. Donc j'ai quelques vidéos normalement qui sont préparatifs pour les guides des débutants, les trucs dans le genre. Mais du coup, j'ai dû me préparer à faire une vidéo live actuelle pour la Pirate Week parce qu'elle est sortie il y a 2 jours, je crois. Sans vouloir vous mentir. Et là, du coup, j'ai vu que la Pirate Week se déroulait sur Everus Arbor. Donc, vous allez dans les contrats priorités et vous prenez. Tac. Donc, c'est pas compliqué. Vous avez deux possibilités. C'est soit être en chasseur, comme moi, défoncer les vaisseaux pirates, il me semble. Soit vous allez. Vous avez un transporteur pour. Récupérer, livrer du bêta Zeta pour le rendre, ok. En gros. Ok, donc en fait, il y a plein de événements bonus. Transférer. Ok, d'accord, faut livrer en fait toutes les. Enfin, les marchandises qu'ils ont besoin. Donc, je découvre en même temps que vous, les amis, j'ai vu vite fait. Sur le site RSI, à quoi consistait entre guillemets l'émission, mais je n'ai pas plus voilà plus d'infos que ça. En fait, il reste très évasif sur ce qu'il faut faire ou quoi. C'est d'ailleurs assez chiant et décevant. Il pourrait faire un effort. Emplacement de la cible. Donc, je sais qu'en fait, c'est des pirates qui prennent d'assaut des stations dans le Sultan. Donc. Merci le bug, qui prennent des stations d'assaut. Donc hier c'était Badging Point, aujourd'hui c'est Virus Arbor. Et je pense que ça va tourner comme ça petit à petit. Après, en toute sincérité, c'est tout ce qu'ils ont mis comme information. Donc je sais pas exactement. Ok, donc alors à moins que ça soit pas une bonne traduction. Zeta polluant emplacement petit. Donc apparemment là-bas par exemple. Ah! Là, il y a un pirate, c'est un raft. Voilà. Du coup, ça va être cool. On va déglinguer les vaisseaux pirates, je crois. Hop, moins 1. J'en ai vu un autre. Après, ils ont pas l'air d'être non plus. Mais c'est bien? Non. Bah, si. On va le finir comme ça, on est sûr que. On va essayer d'y retourner. Je sais pas si. Vraiment.
Ce qu'il veut faire, si c'est défoncer les pirates ou vice-versa. Donc attendez, là, il y a un pirate qui vient d'arriver. C'est un buccaneur. Et donc là, il y a du pirate, déjà. Oh, ah! Ah oui, ça arrive en grande quantité. Et donc là, en fait, je pensais que ça allait être une mission assez tranquille. Mais pas du tout. Parce qu'il y a vraiment pas mal de pirates. Je vais lui envoyer des missiles. Oh, les civils, il est passé en mode nav, c'est obligé. Alors ça. Après, ça a l'air d'être des petits vaisseaux de merde. Donc ça a l'air d'être faisable. Mais ça là, ouais, je vais pas vous mentir, ça fait un petit moment qu'il est pas. Je suis pas vraiment PvP ou PvE sur Star Citizen, j'ai beaucoup de commerce, des trucs de. Dans ce genre. Donc j'avoue que je suis peut-être un petit chouïa rouillé. Hein. Ça me paraît très logique. Je dois me faire shooter par derrière. Ah, c'est celui-là, j'ai des petits chutes avant, tu vois. Ça m'évitera d'avoir, hop, le petit point. Normalement, t'es censé défoncer les pirates. Les d'autres sont censés prendre la marchandise. C'est un beau cul. Il passe. Il balance du disto. Ouais. Tu sais qu'il était super cool à toucher à l'ancienne, et ça, apparemment, ça a l'air d'être toujours le cas. Bah, re les amis, donc bon, après une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de fight, donc bel et bien, c'est bel et bien les mêmes missions qu'il y a
sûr, du coup, que les initiatives en arrivent. Donc, encore une fois, un peu déçu. Au lieu que ce soit un blocus, il y a que 50 vaisseaux, bah, ils arrivent par vague à chaque fois. Bref, c'est comme Initiative Overdrive, ça pue la bite, on va dire les termes, hein. Ils ont pas trop recyclé. Et du coup, en fait, les caisses, on les récupère sur les hulls, les trucs dans le genre. Voilà. Zone réglementée, mise en fourrière. Comment je fais alors pour prendre les caisses? Enfin bref, il y a les hulls comme ça. Et après, autrement, les caisses, c'était. Il m'appelle là-bas, je crois. Mais en gros, c'est pas intéressant parce que c'est full PVE. Mais full PVE, vraiment. T'arrêtes pas, enfin, là, ça va faire. Une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis, je m'arrête pas. Je m'arrête vraiment pas. Et là, du coup, on voit des caisses en tout cas qu'il y avait à prendre. Donc, je ne sais pas si c'est celle-là exactement. Mais comme vous pouvez voir, il y a eu 6 SCV qui ont été livrés. C'est pas ouf, voire même éclaté au sol. Donc bah voilà, malheureusement, il est très tard dans la nuit. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire avant. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dessus. Et moi, tous les membres de la corpo sont en train de dormir, donc j'ai pas non plus les MP pour qu'ils viennent à cette heure-là. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est voilà, c'est comme les initiatives Overdrive. Ceux qui n'ont pas eu l'initiative Overdrive, c'est pas compliqué. Je vous explique en gros sommaire ce que ça fait. En gros, vous récupérez les caisses dans les vaisseaux. Par exemple, là, les vaisseaux, c'était des hulls. D'accord? Vous récupérez les caisses, vous les chargez. Mais pendant que vous chargez en fait vos caisses, normalement il y a des pirates, bah, comme là vous les voyez, qui attaquent de partout. Donc normalement il y a des mecs qui sont censés dé vous défendre et défoncer les pirates. Ce que je suis en train de faire actuellement. Et en gros il y a deux équipes. Une équipe qui chasse les pirates et une équipe qui prend les cargaisons. Dans la DK en tout cas. Pour faire la mission, il y a un bonus de paiement. Et du coup, vous transférez 1000 SCU de cargaison au point donné. Donc on voit tous les points qu'il y a sur la map. Et bah c'est ça qu'il faut aller les livrer là-bas. Donc écoutez les amis, en tout cas, désolé, mais cette mission, je voulais juste vous la faire pour un peu vous montrer, mais elle me plaît pas du tout. Vraiment très déçu de la mission. Donc, bon, bah, je ne peux rien. C'est comme ça, c'est pas très grave. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Très prochainement sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager la chaîne. Ça fera extrêmement plaisir. À très bientôt, les amis. Tchuss.